Bonjour. Si j'étais une fleur, je serais fraisière Charlotte. On va planter les fraises. Il y a 5. Je fais 5 trous et j'ai mis du compost, de la terre et des pailles. On va les mettre. C'est vrai que c'est tard, mais ils ont déjà des fleurs. C'est que ça va bien aller. Voilà. Il faut que ce soit au niveau de la sol. Je viens de les planter. J'ai mis encore de la terre tout autour. Et maintenant, je vais ajouter des pailles tout autour de la plante. J'ai mis la paille un peu à distance de la plante pour ne pas brûler la plante quand c'est chaud ou trop froid. Et en même temps, la paille, ça protège pour que la terre soit assez humide. Et c'est ça. En même temps, il ne faut pas que la plante touche la paille parce que ça peut, quand des petites en spécial, ça peut affecter sa croissance. Et ça peut être des bibites en dessous des pailles qui peuvent attaquer la plante. Mais quand même, les pailles, c'est bon pour... Ils protègent et embellissent, éloignent les insectes, conservent l'humidité et isolent, et contrôlent les mauvaises herbes. Voilà, c'est pour ça que je mets la paille. Les fruits que je plantais, c'est des fruits rouges, avec gros calibre. Je suis très contente, j'aime beaucoup les fraises. Trouver une façon originale de délimiter les deux plantes de Charlotte. J'ai mis un morceau de bois et j'ai pris l'étiquette et je l'ai mis dessus. Comme ça, je peux les voir c'est quoi les fruits qui sont là. Voilà!